Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on sera donc sur le serveur de Monsieur Rasuper Arma for Life. On sera en police et donc la patrouille, ça sera de l'ERI. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch aussi, où de temps en temps je fais des streams. Le lien, bien sûr, est dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. Ça y est, ça a repris, Lille. Ça a repris. Prise de service du commandant Viper en service, Monsieur l'Oscar. Départ en patrouille de la patrouille aérienne Alpha, deux effectifs dans une mégane RS, c'est bien ça, hein? Ouais. Monsieur l'Oscar, comme je l'ai dit précédemment, vous partez au niveau du braquage devant Durbin. C'est bien reçu, il y a déjà des effectifs sur place ou pas? Négatif, bravo d'avoir arrivé d'ici quelques minutes. Ainsi reçu. C'est pas mourir. Oui, j'aimerais bien arriver entier. La vidéo est à Laval. Bonsoir Jérémy, bonsoir Coralie, merci pour ton hébergement. Apparemment dans l'union c'est le con, sans plus. Ah bon? À mon avis, ça va être une fausse alerte, mais vraiment, il y a un véhicule de la vie devant. Pas rouler non plus trop vite. Se présenter un VL devant, ouais. Une ambulance devant. Une ambulance? LCSU sur la station, ouais. Oscar de Harry. Transmettez. Arrivé sur position, une ambulance au niveau de la station en attente. Ok, super. Vas-y, je vais mettre des panneaux. Ouais, je vais voir. Vous pouvez réitérer. Bonjour, c'est la police. Bonjour. Transmettez. Restez à l'extérieur, monsieur. La station en cours, première vue RAS. On vous confirme ça dans quelques instants. Ok, su. Ouais, confirmé pour patrouille ERI RAS dans la station Vanderville. Ok, c'est su. Bon, Oscar. Yep. Merci Brienne pour ton follow et bonjour à toi. C'est le bronze. Bravo. Vas-y, on va partir. Transmet. Ouais, du coup annulé pour les braquages vont arriver. Ok, aussi. Allez, Oscar. Allez, écoute. Bah du coup je serai pour une patrouille normale. C'est suivi, là on part actuellement sur une Dodge Viper en direction d'Union à 200 km/h. Oh, question. C'est celle qui est devant, hein? Ouais, un peu devant là, transmet. Est-ce qu'on peut demander la couleur du véhicule? C'est celui pour elle. Ouais, c'est une Dodge Viper noire. Elle est actuellement tournée en direction de la résidence sur Union. C'est suivi, je suis actuellement au niveau de sud Union, si jamais. Ça marche, véhicule en cours d'interception. Bonsoir monsieur. Coupez le moteur, descendez du véhicule s'il vous plaît. Bien, vous allez venir vers moi, je vous prie. Bonsoir, je vais vous demander s'il vous plaît permis de conduire, carte grise du véhicule et papiers de l'assurance si vous en avez une. J'ai pas ma carte grise. Bonsoir Amlib. D'accord. Écoutez, on va passer votre plaque au fichier. Au niveau de votre permis de conduire, c'est bon. Concernant le motif de l'interception, vous avez été flashé à 200 km/h juste devant nous. Ah. Ouais, je peux savoir pourquoi vous roulez aussi vite, monsieur? Je pourrais vous mentir, mais
Qui vous borne pour les noms? La série de patrouille Alpha 2 et 8 qui fait bord d'une S. C'est sûr. Bon, malheureusement, monsieur, vous êtes sur une vitesse de 70 km/h au-dessus de la circonscription autorisée. Sur ce tronçon. Et malheureusement, je vous informe que vous allez être placé en garde à vue. Votre permis de conduire va être suspendu. Et vous allez subir aussi une détention de véhicule. Donc on, on a réussi à avoir les deux invités, puisque le premier on lui a pris sa radio, on a pris du coup la fréquence, vous pouvez noter 489.9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner les traiter les clés de votre véhicule juste avant. Les messieurs font des magouilles dans la carte de police, commandant leur numéro de matricule 941-941. Et donc par la suite, les dépanneurs vont prendre en charge votre véhicule, et vous, vous allez être pris en charge directement par nos collègues qui vont venir en renfort. Si, je vais mettre. Si, merci. 941. J'ai un service de patrouille, bravo, des effectifs à bord des dépanneurs de police. J'écoute la police. J'aurais besoin de dépanneurs à plateau sur la commune d'Union, côté quartier résidentiel, sur le point d'épée de police, s'il vous plaît. Cabo, non. Bien. Négatif. Si vous en croisez, vous la contrôlez. Tu veux la passer une sécu ou tu veux le faire? Ouais, c'est suivi. Je t'ai pas entendu au cas où. Pourtant, vous avez bien utilisé le l'ordinateur. Clairement, oui. Ça nous est arrivé. Quoi, la plaque de votre voiture? La Ferrari, je sais pas du tout. Tu veux la passer à une sécu ou pas? Concessionnaire avec poteau. Tu veux la passer à une sécu? Non. Je te laisse faire la com. Ah non, mais est-ce que tu veux une sécu ou pas? Ah ouais. Ok. Ouais. Du coup, on va refâcher. Oscar de Harry. J'aurai besoin d'une sécurité publique sur notre position, côté quartier résidentiel, sur le point d'épée de police, s'il vous plaît. Ok, c'est celui Alpha d'Oscar. On se met. On est disponible. Affirmatif. Allez, je vais vous rendre sur Eri. Comme direct avec autorisé. Et bonjour, El Poto. Et bonjour, monsieur, je vous contacte puisque c'est pas passé vous avez fait l'acquisition d'une Ferrari, la Ferrari. Vous avez été vendu par le roi Théoporn. Oscar Duff. Ce matin. Et apparemment, oui, on a encore les clés du véhicule, donc est-ce que vous pouvez bien vous assurer que vous êtes propriétaire de la voiture? Vous m'avez dit quoi? Monsieur, du coup, je vais vous passer les menottes en attendant. D'accord. Il est 4h56, vous êtes actif, parce que vous avez vu plus de silence. Tout ce que vous direz pourra et sera contre vous. Vous l'a contrôlé, on a eu le feu de voler. Au repos, monsieur. C'est ce monsieur, il a été flashé, il va vous dire après comment on entre la vitesse. Ouais, ok. Juste attendre un instant que le commandant ait terminé son appel. Pas de soucis. Je vais demander une dépanneuse, qu'est-ce qu'il me rappelle, une goutte poids lourd. Il a dû voir le véhicule et finir. Je peux le faire. Alors je fais la vérification. Monsieur Théoborn, ok. C'est ça. Bah non, nom du propriétaire, moi j'ai Théoborn qui ressemble. J'ai pas vous. Oscar va transmettre. C'est qui est au niveau de Full Church. Voilà, monsieur Born, il est interpellé pour un excès. On a perdu en visuel à la direction Mond Watergate. Après ça, ça garde vous regardez, vous pouvez la chercher. Pas de soucis. Au revoir. Monsieur Born, vous pouvez passer à El Poto après? Oui, il n'y a pas de soucis. Bah, en tout cas, c'est en effet, moi je confirme que vous êtes bien sur. Du coup, on a retrouvé la Golf, donc le conduit excessivement vite, donc on va essayer de la contrôler. Ok, pour les collègues, 200 km/h. 230 ou 240? 230. Brigadier, je vous donne les clés, votre numéro de matricule. 153, dépanneur contacté, on décolle. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. 200 km/h tout pile, monsieur. 200 piles. C'est ce que je veux. Je laisse le rond si tu veux, pas le choix. Non, bah après. Fais gaffe, il te reste encore une goutte de sueur sur ton front. Parce que. Bah la voiture d'avant, le trafic. Ouais. Ah mais il se met pas de côté, non, il devrait se mettre sur le côté, non. Le problème c'est que allez, vous nous suivez s'il vous plaît, la Dodge Charger.
target nord, direction le centre de tir en approche. Ok, suivi. Allez, quoi. Je vais vous rendre sur le réflexe. Attention, il a roulé sur son gars. Oh là là, il a volé de, à l'autre bout là. Ouais, ça marche. On finit juste un tout petit peu. Il a... Non, non, il a volé à l'autre bout son collègue là-bas. On est sur le côté. C'est un peu tard. Bon, pas de soucis, là on a en fait deux abrutis en conduite dangereuse sur Union et puis il y a son collègue qui vient d'être éjecté du véhicule. Ah, si, pour l'instant je vais sur le contrôle, on va rejoindre Bravo. Pour information Bravo, on tourne au niveau du pont nord de Watergate, on retourne direction aéroport. On n'a pas trop le temps, permis de conduire, carte grise du véhicule, pas de question. Ok, Oscar. Ok, vous roulez trop vite dans Union, premièrement. Ensuite, secondement, quand je vous mets les deux tons, que je me place devant vous, vous essayez pas de me doubler. Mais je sais pas, il faut le chercher depuis l'aéroport. Non, non, j'ai arrêté le ton, je l'ai reçu. Voilà. Et moi je vous ai dit de nous suivre, monsieur. Monsieur Lefebvre, je suis pas. Ah, vous m'avez rien dit, c'est pour ça. Moi il dit suivez-moi, j'aurais compris. Toi vous avez dit suivez-moi à travers le parleur. Ah, bah j'ai pas entendu. Ah, bah ouais, on avait pas entendu. Écoutez, quand vous étiez devant, on pensait que c'était une voiture. Mais écoutez, je vous verbalise une conduite dangereuse, d'accord, parce que c'est pas normal de rouler à cette vitesse-là dans Union. Et puis ah, on passe à la si il veut pas être embarqué pour une mise en danger de la vie d'autrui, il descendra quand le véhicule sera à l'arrêt. Ok. Bah, non mais de base il s'arrête. Clair ou pas? Non mais clair ou pas? Je pense qu'on va prendre le temps. Bon, j'en ai vous arrêtez quand le véhicule. Bonjour, vous restez près de votre véhicule monsieur, il y a un contrôle de police actuellement. Ah bah vous avez fait le 17 monsieur. Vous mettrez la sécurité en forme monsieur Lefebvre, parce que c'est passager. Ne bougez pas. T'as la position? De quoi? Il y a un refus d'offre engagé avec Bravo. Ah je vois ça. Oscar de Herry. Transmet. Non, on a une communication directe avec Bravo ou pas? Affirmatif, mais pour l'instant la Golf est actuellement sortie de mine, direction deux fois de voie. Et il arrive sur nous, à droite, ils sont à droite. Direction mine. Direction mine, il arrive. Là c'est bien, au sud de Ré, on est deux fois de voie, on va essayer de revenir sur vous. On l'a devant nous. Il a pris à gauche. Il a repris à gauche, direction mine. Il reprend la route, direction Sunnyton. Et il y a une fusion avec. Oscar de Harry. On se la BAC à quoi comme véhicule? Une fusion. Ah donc c'était eux qui étaient derrière, ok ça marche. La de Harry ça prend en direction à l'aéroport Harry compris depuis la route principale depuis Sunnyton. Ah c'est sûr, il est derrière vous. De Harry, ça prend route à l'aéroport Harry Country, direction route QG dépanneur pour le moment. Oui, ils ont pu voir s'il y avait deux véhicules dedans, enfin deux individus. Non, je sais pas. Il a les tracés fumés depuis derrière, donc je sais pas s'il a pas aussi sur les côtés. Ouais, de Harry, ça prend direction QG dépanneur. Là en face, Oscar. Pas en face. Ouais. Ouais. Mais ils sont en contrôle. Ils sont à la Golf. On va essayer de revenir de l'autre côté. Deux fois de Harry, on vient de passer QG dépanneur direction Union. Viper, elle a fait demi-tour la Golf. Non, elle est pas derrière. C'est ce que je regardais. De Harry, ça prend direction sud Union vers croisement XSP, pont Jepstone. De Harry, ça prend direction pont Jepstone. Ok, c'est celui-là, Oscar. De Harry, ça prend direction Costa del Mar, on vient de passer le pont Jameson. Bravo Oscar. On se met. Vous êtes où actuellement? Actuellement c'est Newton. Ah, ok, sûr. Ok,
qui recoupe par. Derry, on vient d'entrer dans Costa del Mar depuis la route de la plage. Et on est toujours en direction de Lakeside. Je suis d'Oscar. Derry, ça en prend direction pont de Lakeside pour le moment. Derry, ça reprend la nouvelle deux fois de voie direction rond-point Kenny. Qu'est-ce que tu es, bravo Oscar. Derry, modification, ça fait demi-tour. Ça tourne. Ah, attention, ça casse. Merci Alexandre pour ton follow. Allez, c'est parti. Merci Pitagic pour ton follow et bonjour à toi, ça va? Moi ça va. Maintenant qu'on a fait un petit tour, monsieur, mon cerveau ça va mieux. C'est mieux envisagé. Voilà, et des fois je tombe à 15 la fille à roue. Non, moi ça va, je tourne toujours dans le de 20. Ouais, moi j'ai mis 80 Ti. Je comprends pas, c'est, franchement je me dis en fait, ça sert à rien que j'achète des cartes graphiques et des bordels, parce que je suis quand même à 15 images Sarvo, genre avec une 1080, enfin moi ça me fait piner. Moi je suis sur une Ti 4080. T'as quoi comme processeur? i5. Mais t'as un 6000 non? Ouais, 6600K. Ouais. Moi je suis encore sur 4000. Ah oui? Après Arma 3, t'es pas sur Arma 7 quoi. Ouais mais bon, depuis la dernière Arma, j'ai Arma 3 demande beaucoup au processeur aussi. Ah ouais, voilà. On se prend en flash aussi, mais où? Ouais, on peut se mettre où, j'ai aussi un endroit au cas où. Vas-y, bah, attention. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Pas sortir comme l'autre abruti. Hein. Le mec il a volé. Ah ouais, d'avant ouais. Aller le chercher. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous comme des gros malades. Mais en ce moment. En ce moment, ils connaissent pas trop la limitation de vitesse. Je crois qu'il allait me sortir devant les. C'est pas grave. T'as mis un petit peu d'accélérateur, j'ai un peu peur, je te. Laquelle là, c'est ça? Ouais. Tu tapes en face? Ouais, je tape en face. Direct? Ouais, ça marche. T'as été sur la privée ou pas? Hein ouais, je suis dessus. Test. Ouais, reçu. On s'est recramé en 2-2, mais bon. Non, là où tu es, non. Ceux qui viennent depuis que j'ai des panneurs, c'est vrai. Non, mais sur MSN. Ah, oui, possible. Bonsoir, Tibou. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent MSN. Bon, possible. Désolé, Pikaïk, merci pour l'hébergement là. Ouais, mais lui, ça doit être son processeur aussi. Il a seulement il a un processeur plus bas. J'ai envie de tester un truc. Voir si là ce serait pas mieux si ah, on avait là-bas. Pas le bord du Nyon. En fait là c'est mieux parce qu'en plus j'ai le nord du Nyon. Ah, on est pas mal comme ça. Ça va Thibaut et toi? Bonsoir, c'est aussi Das. Ah, les collègues ils sont passés. Oui, c'est un hébergement, je sais. Et puis t'as dit. Merci à toi. Bonsoir Coralie. Elle est à combien la rouge?
79 de plus. Oh, bon. On prend pas. Non, je prends toujours au-dessus de 50. Ah, c'est quoi sa plaque? Run. R U. Ouais, on la prend, je l'ai flashé avant sur la deux fois de voix. Ouais. Monsieur, je vais vous laisser nous suivre, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Pour la vitesse. Oui, je vous ai flashé avant quand on était sur la 2x2 voies, 252 au lieu de 130 monsieur. Oui. Donc vous me présentez s'il vous plaît une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise pour commencer. Pas de soucis. Luc Maubin, permis de conduire à jour. Ok, c'est votre véhicule? Oui. Là, je viens de récupérer le véhicule au garage pour la région des pneus, donc... Il m'a fait manquer un petit peu, c'est un véhicule que je suis sur circuit, c'est pour ça que je suis habitué à accélérer avec, après je vous... Passez les clés de votre véhicule s'il vous plaît, 2589 monsieur. 2589? C'est ça. Ok, je vous laisse mettre les mains sur le capot avant le véhicule. Donc monsieur, il est 8h04 du matin, à partir de maintenant vous êtes placé en garde à vue, tout ce que vous devez être tenu contre vous. Vous avez le droit de demander l'assistance médicale au commissariat, vous avez le droit de demander à boire et à manger, malheureusement il n'y a pas d'avocat. D'officiel sur lui donc, vous pouvez pas en avoir, est-ce que vous avez compris vos droits? Totalement. Ok, je vous laisse aller dans, vers le véhicule de police, je vous mets dedans en attendant que les patrouilles arrivent. D'accord. La fille, on est sur la deux voies. Oui. C'est parfait, merci beaucoup. Je me suis déjà renseigné un peu du code pénal, c'est... Dans ce cas-là, je crois que c'est destruction, c'est ça? Tout sera expliqué au commissariat, monsieur. D'accord. Je vous laisse. Oui. Je peux vous poser une question dans votre véhicule? Allez-y, posez toujours. Est-ce que la destruction, enfin, si jamais je prends la destruction définitive, est-ce qu'elle est couverte par l'assurance ou l'assurance, elle ne fera rien? Ah, négatif, monsieur, une destruction, c'est une destruction de véhicule. On va. L'assurance, elle va pas me rembourser. On va aller faire transfert de clés au niveau de Watkins Glen. J'ai appelé le dépanneur directement là-haut. D'accord. Et vous allez vers le véhicule de police, on attend monsieur s'il vous plaît. Ça marche. T'as pris les clés de toute façon Oui, j'ai les clés. Attention. Bah les collègues sont là. Ah bah, ça tombe bien, bah ils sont là les collègues. Vous allez pouvoir aller vers eux. D'accord. Les droits ont été cités. Bonjour. Qui est que cette vitesse, je suppose? 252 au lieu de 130. Attendez, 252 au lieu de 130. Ok. L'idée du véhicule s'il vous plaît, mon commandant. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, on va aller... Ah oui, ça a une destruction, donc je voulais passer. Donc c'est celle-ci. 117 s'il vous plaît. Monsieur? Tenez. Enfin, oui. Je me suis arrêté, j'ai coopéré, ça serait pas possible de s'arranger juste pour... Non, je vous ai flashé à peu près 15-20 minutes et là, essayer de vous rattraper, c'était au maximum sur mon compteur, donc... C'est pas une seule fois que vous avez fait en excès de vitesse, c'était même deux fois. Vous avez de la chance que la deuxième fois je vous ai pas flashé sur la deux fois de voie. Allez, vous suivez mes collègues s'il vous plaît. Vous m'avez flashé deux fois, c'est ça? Non, je vous ai flashé une première fois. Et quand on vous a retrouvé, je suis parti à votre poursuite, j'étais à fond avec mon véhicule, j'ai eu du mal à vous rattraper. Donc vous étiez pas non plus à 130 pour revenir jusqu'au point là. Au rond-point, j'ai ralenti à la sortie de la 2x2 voies quand ça se resserre sur une fois une voie. Oui, mais sur la 2x2 voies, je vous parle, vous étiez pas à 130. Ah non, ouais, 130. Ça je vous l'ai dit.
De toute façon, vous pouvez y aller, vous pouvez l'embarquer. C'est sûr que je suis juste pas dessus, elle bloque dessus. Raison de plus, hein. Ça veut dire que si vous aviez pu aller plus haut, vous pourriez très facilement aller plus haut. Au moment où quand vous avez pris au plancher, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc, non, je confirme, il n'y aura pas de. Négatif, destruction véhicule. Oui, je viens de la récupérer, les togaras. Ah ouais, mais là, vous n'êtes pas sur un circuit. Bon, merci Dani pour ton follow. Pas sur votre. Pas qu'il n'y a personne, que vous n'êtes pas un danger violé. Ah, vous montez là, vous prenez la voiture, oui, comment vous êtes un danger. Je te suis. S'il vous plaît, un peu continuer, quoi. Oh, le ouais, le véhicule, enfin, on va voir les dépanneurs, on va les transmettre. Merci. Quoi? Mais répète. Non, non, juste qu'ils nous suivent bien jusqu'à Watkins Glen. Ah ouais. Bah, vous nous suivez, s'il vous plaît, les collègues. Illégal parce que moi j'ai fait. Non, il y a rien, il y a deux jerrycans d'essence et tout. Oui. Voilà. Non, dans le véhicule, on parle des que des petits jerrycans. Ah. Oscar, bravo. Transmettez. Actuellement, refus d'obtempérer sur une Golf 6 noire, direction prison depuis l'Exile. Suivi ERI d'Oscar. Transmettez. Je vous laisse prendre en charge le refus d'obtempérer de Bravo. Donc vous avez communication directe. Ah, on termine juste quelque chose et on s'en occupe. Suivi de Bravo d'Oscar. Bravo d'Oscar. Transmet. Position direction. Ouais, actuellement dans Costa del Mar, direction Pont de Jamestown. Suivi. Alpha d'Oscar. Transmet. Position, s'il vous plaît. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.